Ça dépend les jours. Allez, petite devinette. Le forgeron au Moyen Âge. Par contre, les parents, les grands jouaient le jeu. Hein. Je ne me souviens pas si vous avez trouvé. Hein. Ça va ? Le forgeron au Moyen Âge. Qu'est-ce qu'il forgeait le plus souvent et en énorme quantité ? Quand je dis en énorme quantité, c'est beaucoup, 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 beaucoup du même objet. Oui, le forgeron forgeait. Mais maintenant, il faut s'imaginer qu'au Moyen Âge, l'acier coûte très très cher. Le métal, le fer coûte très très cher. Une épée, c'est l'équivalent de 7 bœufs, 7 vaches, si vous verrez. Cette vache, bah, ça ne vous parle pas, ça ne veut rien dire. Une armure complète, là vous demandez à vos parents. Une armure complète, c'est le prix de votre armure actuelle. Donc vous imaginez que tout le monde ne peut pas s'acheter une épée qui est une armure. Donc ce ne sont ni les armes, ni les armures. C'est autre chose. Allez. Surprise, hein. T'as un joli chapeau. Mais je crois qu'il est travaillé.